Que signifie le terme « dépens » ? Les dépens sont les frais de justice que la partie incriminée doit régler à la partie adverse après un jugement. Ces frais relatifs aux différentes étapes de la procédure de justice concernent notamment les frais d'enregistrement de la procédure, les frais relatifs à des enquêtes, l'indemnité de procédure pour la partie adverse, c'est-à-dire les frais d'avocat, les éventuelles indemnités de dédommagement des témoins ou encore les honoraires d'experts. Qu'est-ce qu'une condamnation aux dépens ? Lorsqu'un juge rend son jugement, il doit obligatoirement préciser à qui incombe la charge des dépens. C'est pour cela qu'on utilise le terme de condamnation aux dépens, la partie étant condamnée à payer ses frais. Le juge peut aussi décider de ne pas faire rembourser les frais de justice de la partie gagnante à la partie adverse. Il peut également décider, à titre exceptionnel, de mettre une partie ou la totalité des dépens à la charge de la partie gagnante. Qu'est-ce que l'aide juridictionnelle ? L'aide juridictionnelle vise à aider les personnes en situation de précarité, ayant des difficultés financières, en prenant en charge le paiement de leurs dépens, en partie ou en totalité. C'est alors le trésor public, c'est-à-dire l'État, qui paye pour les dépens. Dans ce cas, la partie qui est condamnée aux dépens rembourse le trésor public et non l'autre partie, au titre des sommes avancées pour l'aide juridictionnelle.